Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahvé. Gloire à toi, Seigneur. Il est Seigneur, lui tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ. De Jésus dans la joie. Amen. Parce que nous sommes une église vivante. Amen. Nous ne célébrons pas Jésus dans les rituels, mais nous le célébrons dans la joie, Amen. Dans l'amour et dans la plus grande joie. Alors, avec un grand cri de joie, simplement, Jésus est ressuscité. Dis-le plusieurs fois. Tu peux le dire dans une autre langue. Dans une autre langue. Oui, ce foulou qui dit. Oh, foulou qui dit. Jésus, je ressuscite. Ressuscité. Allez. Dis-le dans une autre langue. Allez. Dis-le dans une autre langue, Jésus est ressuscité. Trouve une autre langue. Trouve dans une autre langue. Dis-le en anglais. Chilouba Swahili. En créole. Trouve une autre langue. Dis Jésus est ressuscité. Prends la main de quelqu'un. Jésus, notre Seigneur, est bel et bien ressuscité. Moi, j'aime le dire dans ma langue maternelle. C'est plus significatif. Oh, il se fout le qui dit. Oh, foulou qui dit. Jésus, ressuscitons. Au Seigneur, ressuscitons. Alléluia. Au nom du Seigneur de gloire, ressuscitons.
ressuscitons. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Ah, maintenant, vous n'êtes pas des religieux, vous êtes un peuple vivant. Seigneur, je voudrais lire un texte pour introduire notre sainte scène, parce qu'au cours de cette grande fête de la résurrection de notre Seigneur, nous avons besoin de prendre la sainte scène pour nous remémorer ces moments combien forts, combien merveilleux, très importants. Qui sont baptisés par immersion? Quelques-uns ne lèvent pas la main. Je ne vous condamne pas. Si tu n'es pas encore baptisé par immersion, je ne te condamne pas. Mais plutôt, je t'invite de venir nous rejoindre. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui sont baptisés comme Jésus. Amen. Parce que Jésus est notre modèle. Jésus, quand il est venu, avant de commencer son ministère, il est allé voir Jean-Baptiste et il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Amen. Et Jean-Baptiste a dit non, moi je ne peux pas te baptiser parce que tu es mon Seigneur. Et Jésus répondra, laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Amen. Parce que Jésus était aussi homme. Et donc, il s'était fait baptiser. Donc, tu dois passer par les eaux des baptêmes, bien-aimé, pour sceller ton alliance avec Dieu. Amen. Pour dire, j'aime Dieu et je lui donne ma vie. Je donne ma vie à Jésus afin de revenir auprès de Dieu. Mais définitivement, quand on se fait baptiser, c'est pour toute la vie. Amen. Pour dire amen. Amen. On ne se fait pas baptiser pour un jour ou deux jours. Définitivement, sachant que quand on s'est fait baptiser, Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Amen. Et sur les scorpions. Amen. Et rien ne pourra nous nuire. Quand on s'est fait baptiser, on reçoit le pouvoir. Amen. Mais c'est pour toute la vie. Cela ne veut pas dire que quand on s'est fait baptiser, comme hier une sœur a témoigné, après mon baptême, j'ai eu beaucoup d'attaques. C'est bien. Quand on se fait baptiser, on recevra des attaques. Mais tu vas vaincre les attaques. Amen. Notre vie est une vie des épreuves tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on n'aura jamais des attaques. Jésus lui-même, les jours où il va jeûner, 40 jours et 40 nuits, il fut attaqué. Donc toi aussi, tu seras attaqué, amen. Mais tu vaincras. Amen. Oh, dis amen. Amen. Même si tu seras attaqué, tu vaincras. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Alors, nous prenons la Sainte Cène seulement quelques jours. Question. Pourquoi nous ne prenons pas la Sainte Cène tous les dimanches? Moi, je dirais même pourquoi nous ne prenons pas la Sainte Cène tous les jours. Et je réponds, la Sainte Cène, on la prend tous les jours chez nous. On dit amen. Quand tu es chez toi, tu peux te faire ta Sainte Cène. Quand tu fais ta prière, tu es en train de faire ta Sainte Cène. Tout seul, toute seule, tu peux prendre le pain quand tu te réveilles. Seigneur, je mange ton corps. Seigneur, sanctifie le pain, tu manges le pain. Toi-même, chez toi, tu peux prendre une coupe. Seigneur, ça, c'est ton sang. Je bois ton sang.
Parce que c'est ce sang qui me donne la vie. Amen. Tu m'entends? Amen. Pour des raisons logistiques parfois, et des programmes à l'église chargés, nous ne pouvons pas prendre la Sainte-Cène tous les jours. Mais le Seigneur nous dit, faites ceci à mémoire de moi. Toutes les fois, c'est-à-dire même chez toi, même quand tu es dans le train, si tu n'as pas eu le temps de le faire, tu lèves ta main, tu fais comme si tu as le pain, parce que le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est Jésus lui-même, la promesse de Dieu. Et Jésus est esprit. Et donc, tu peux, qui croit que Jésus est esprit? Donc, tu peux toi-même lever ta main, tu dis, Jésus, je crois que tu es là dans ma main. Jésus, je te mange. Je mange ton corps. Jésus, comme tu es esprit, je prends ton sang, je le bois. Je t'assure, si tu le fais tous les jours, tu seras l'homme ou la femme la plus forte, le chrétien le plus fort de toute la vie. Et quand les combats viendront, tu pourras vaincre tous les combats. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Jésus, merci de bénir ce pain qui est ton corps. Et ce pain qui est ton corps qui a souffert sur la croix. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous célébrons exactement ta souffrance, ta mort et ta résurrection. Et c'est aussi ce qui fonde notre foi. Et désormais, Seigneur Jésus, nous attendons ton retour imminent pour venir nous chercher. Voilà tout ce qui fonde notre foi. Ta naissance, ta mission, ton œuvre, ta mort, ta résurrection et ton retour imminent. Jésus, merci de bénir ce pain en ton nom, Seigneur. Notre Dieu, merci de bénir Yahweh, cette coupe qui est ton sang, le sang de l'alliance qui nous unit avec le Père. Seigneur Dieu, que ce sang nous rapproche encore davantage de toi, notre roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La 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 la.
j'aimerais que tu comprennes une chose. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi des autorités. Mais ma Bible me dit que le chef des ténèbres, c'est le diable. Mais je sais une chose. Lorsque le chef des ténèbres entend le nom de Jésus, il courbe la tête. Alors cet après-midi, ce matin, j'aimerais dire, le nom puissant, c'est le nom de Jésus. Jésus est ressuscité. Non, dis-le lui bien, Jésus est ressuscité. Dis-le lui bien dans les yeux, Jésus est ressuscité. Que tu le veuilles ou non, le soleil s'est levé, il fait déjà 15 degrés dehors. C'est une vérité. Que tu sois blanc, que tu sois noir, c'est une vérité. Ça ne se discute pas. Et ce matin, je le dis aussi, que ça ne se discute pas, que mon Jésus est ressuscité. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Laisse-moi te dire, c'est très sérieux. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Jésus était un homme trop sérieux. Mais tel qu'il était sérieux, à la croix, il a poussé des cris. Et bien, même dans son sérieux, il a réglé ton problème. Je croyais que tu allais dire amen. Par le sérieux de Jésus, il a réglé ton problème. Il savait qu'un jour, tu allais arriver à l'appel éternel en l'année 2019, mais il devait régler ton problème. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Non, tu le sais régler. Tu le sais régler. C'est réglé. Je me rappelle une fois, j'étais dans un beau restaurant parisien, et à la fin, lorsqu'on a fini de manger avec des amis, on s'approche pour payer la note. On nous dit, c'est payé. J'ai commencé à dire, mais qui a payé? Et au fond de la salle, il y a un homme qui a levé la main. Il a dit, c'est pour moi. J'aimerais te dire, quand Jésus était à la croix, il a dit, c'est pour moi. Et il a dit, c'est payé. Il a dit, c'est payé. Il a dit, pour la paix éternelle, c'est payé. Pour mes enfants, c'est payé. Tu n'as plus d'efforts à faire. C'est payé, bien-aimé. Nous allons ouvrir notre Bible, bien-aimé, dans le livre de Genèse 33. La parole que Dieu a déposée dans notre cœur ce matin est une parole tout à fait particulière parce que moi-même j'étais surpris. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me ramène dans cette lecture qui va être un enseignement profond mais qui va te pousser à comprendre pourquoi il y a eu la croix. Genèse 33, bien-aimé. Genèse chapitre 33. Nous débutons la lecture au verset 1. Au commencement, tu ne comprendras pas forcément où Dieu veut nous emmener. Mais je te dis, nous allons arriver quelque part. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Genèse 33, verset 1 nous dit, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Verset 2. Il les plaça en tête, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Verset 5. Ésaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants et lui dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Verset 6. Les servantes s'approchèrent,
elles et leurs enfants et se prosternèrent. Verset 7. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Verset 8. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Verset 10, le dernier. Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car pour cela que j'ai gardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Yes. Père Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons une intime conviction que ce matin, ce n'est pas la chair qui va parler, mais c'est l'esprit. Père, nous croyons encore une fois que quand tu as fait alliance avec notre père papa Antonio Toussamba, amen, que le Dieu de son alliance puisse parler encore une fois ce matin dans ses lieux. Amen. Nous ne voulons pas autre chose, mais vivre la véritable résurrection. Yes. Jésus, tu as dit dans ta parole, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts à te recevoir et à t'entendre au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, donne une acclamation nourrie et fournie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais demander au chantre de pouvoir prendre place, mais je garderai tous les instrumentistes. Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés. J'aimerais honorer notre papa, le berger de cette maison, notre papa pasteur Antonio Toussamba, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Vous savez, la plus belle chose pour un père, c'est d'avoir des fils. Amen. Je suis tellement fier d'être son fils. Amen. Bien-aimé, j'aime dire, si l'ange, l'archange Gabriel, quand il a vu Marie, il a dit, je te salue Marie, tu es bénie d'entre Dieu, d'entre toutes les femmes. Moi je dis non, je suis bénie d'entre tous les fils de papa Antonio. Amen, ah oui. Amen, amen, amen. J'aime bien aimer parce que il est important de voir qu'un père expose ses fils. Parce qu'en réalité, les fils ne sont que la continuité du Père. Amen. C'est pour cela que Jésus est descendu sur terre pour être la continuité du Père qui est resté au ciel. Amen. Ne te dis pas maintenant, quelle est cette sorte d'église où on voit le Père présenter ses fils. C'est ça. Nous sommes sa continuité. Et j'aimerais que tu puisses dire, je suis la continuité de papa Antonio. Quand je parle de fils, je ne parle pas de fils biologique, je parle de fils spirituel. C'est de toi que je parle. Y a-t-il des fils et des filles spirituelles de papa Antonio dans ces lieux? Amen. Alors dis avec moi, je suis la continuité de papa Antonio. Je suis la continuité de papa Antonio. J'aimerais honorer notre maman bien-aimée qui a fait un travail extraordinaire ce vendredi. Pour celles et ceux qui étaient là, c'était extraordinaire. Amen. Aidez-moi à l'accueillir, bien-aimée maman Susanna. C'est dommage. Moi, quand je vois mes parents spirituels, je dis waouh. C'est pour cela que je dis je ne peux pas être dans l'échec. C'est impossible. Quand tu vois mes parents, tu dis non, lui, il ira trop loin. C'est comme cela que, bien aimé, il est important de voir la source pour voir ta destination. Amen. Ta destination dépend de ta source, c'est-à-dire dépend de où est-ce que tu viens. C'est cela, bien-aimé, qui déterminera ta course. Amen. Amen. Évidemment, vous allez aussi aider à accueillir l'homme de Dieu, le ministre, l'évangéliste Prosper. J'aime l'appeler mon compagnon de cœur. L'homme de la situation. Il a fait un grand travail extraordinaire hier. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Alors,
Avis à celles et ceux qui doutent de venir à la conférence de la jeunesse qui arrive dans quelques encablures, dans quelques jours, du 1er mai au 5 mai, nous allons vivre le ciel sur la terre. Amen. Je le dis d'avance parce que certains disent non, je ne sais pas, je n'avais pas entendu. Je te le dis d'avance, Amen. Nous allons vivre pendant 5 jours le ciel sur la terre. Amen. 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 Et bien aimé, hier, j'ai été invité à une messe de Pâques dans une église catholique, je la cite, et j'ai été frappé de la révérence. Un prêtre se tenait debout, il ne parlait pas, hein. Il a juste fait le geste comme ça. 300 personnes. J'ai dit, non. Dès qu'il a fait, tout le monde s'est mis assis. Ici, on crie, frère, mets-toi debout. D'autres viennent même avec des lunettes noires. Oh. Que cela nous enseigne. Amen. Oh. Et à la fin même, je vais faire ce qu'il a fait. Il a lu la parole et il a fait un bisou sur la parole. J'ai dit non, lui, il a compris. Ça, ça vaut de l'or. Amen. Ça, ça vaut de l'or. Cette parole bien-aimée est faite pour changer et transformer ta vie. Amen. J'aimerais souligner quelque chose d'important, bien-aimé. Alors que nous avons décrété 3 jours de séminaire avec ce thème « Tout est accompli », le Seigneur aimerait souligner plusieurs choses. Ce n'est pas, bien-aimé, une nouvelle information, mais c'est une information que tu avais peut-être occultée que nous allons révéler. Amen. Quelqu'un peut dire « Amen, Amen. ». Alors, lorsque nous disons que tout est accompli, j'aimerais prendre ce thème, bien-aimé, pour ce premier culte, qui est tout simplement la réconciliation des familles. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'en réalité, dans l'ancienne alliance, nous parlons d'hommes qui servent Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'avait que des serviteurs. Moïse était serviteur de Dieu. Abraham était serviteur de Dieu. David était serviteur de Dieu. Mais désormais, à travers du sacrifice de la croix, nous ne sommes plus déterminés à être des serviteurs, mais nous sommes devenus des fils. Bien-aimés, lorsqu'on parle de fils et de famille, nous parlons d'héritage. Et Dieu m'a ramené dans cette histoire de Genèse 33. Deux frères jumeaux. Et ces deux frères jumeaux, alors que nous sommes dans Genèse 33, on arrive au moment de la réconciliation. Pourquoi? Dans Genèse 27, on lit l'histoire que Jacob, qui plus tard deviendra Israël, a usurpé, a volé la bénédiction d'Isaac, parce que son père Isaac voulait bénir le fils aîné. Mais il a béni le fils cadet. Genèse 27. Et bien aimé, de ce vol de bénédiction a créé, bien aimé, une inimitié, une guerre fratricide, un problème qui a fait que finalement, deux frères qui étaient censés marcher ensemble pour la vie se sont séparés. Et Christ m'a parlé de manière distincte, m'a dit qu'en réalité, le sacrifice de la croix, c'est la plus grande réunion de famille. Là où Jésus a réglé tous les problèmes. Jésus est le premier-né de notre famille. Jésus est notre grand frère. Quelqu'un peut dire Jésus est mon grand frère? Eh bien aimé, Genèse 33 nous explique que ces deux frères, alors qu'ils se voyaient de loin, le frère qui était le fils cadet a fait une stratégie pour attendrir le cœur de son grand frère. Et cette fois-ci, il a envoyé d'abord des personnes devant. Et il les a rangées en rang. Mais après, il s'est dit non, je vais passer devant. Et ce qu'il y a de beau, quand Ésaü voit toutes ces choses, tous les biens, il finit par dire, garde ces choses, je suis dans l'abondance. Mais bien aimé, avant d'arriver là, j'aimerais revenir dans Genèse 27. Qu'est-ce qui se passe? Rachel, non, je vais revenir plus dans le détail. Genèse 27 nous explique
que lorsque Isaac arrive dans un âge avancé, se dit, je vais bénir mon fils aîné. En Israël, lorsqu'un père veut partir, il bénit le fils aîné. Il lui laisse tout l'héritage. Et ensuite, charge à l'aîné de répartir et de gérer l'héritage du père. Isaac sentant la mort, s'est dit, à Ésaü, va me chasser le gibier. Emmène-moi le gibier, je mangerai et je te bénirai. Après cela, la mère a entendu qu'Isaac allait partir. Elle a pris son fils qu'elle aimait beaucoup, Jacob. Elle lui a dit, écoute, nous allons mettre une stratégie en place. Comme ton frère est velu et qu'il était roux, la Bible nous dit, moi je vais prendre ses vêtements et tu vas les mettre. Comme ça, quand ton père va te parler, lorsqu'il va sentir l'odeur, il va penser que c'est ton frère. J'aimerais dire une chose, bien-aimé. L'odeur parle. L'odeur parle. On reconnaît souvent une personne par son parfum. J'aime bien faire ce jeu. Souvent, j'arrive derrière une personne et je mets mes mains derrière ses yeux. Et avant même que j'ouvre la bouche, on dit, ah papa, je sais que c'est toi. Pourquoi ? Ils ont reconnu le parfum. L'odeur part. L'odeur part. Oui. Et là, bien-aimé, Isaac, dans la présence de son fils Jacob, arrive à manger le gibier. Parce que lui, il aimait le gibier. Et après avoir mangé, il dit, maintenant je vais te bénir. Il parle à Jacob. Et il le bénit sérieusement. Il lui dit que la terre te donnera de la graisse. Le ciel sera ton partage. Et tu assujettiras tes frères. Il a béni. Jacob est parti avec la bénédiction. Ésaü arrive. Et il se dit, maintenant moi je vais être béni. Il dit, père, me voici, voici le gibier. Il dit, mais attends, j'ai déjà mangé. Tu viens de passer là. Il dit, non, j'arrive. L'air de dire, bien-aimé, n'arrive jamais en retard. Parce que quand Dieu veut te bénir, il t'attend à ta place. Pourquoi ? Parce que la question, ce n'était pas qui allait arriver avant, mais qui allait arriver au bon moment. Pourquoi ? Parce que la bénédiction, parlons de ce mot bénédiction, qui veut dire bénédire, c'est-à-dire la parole qui active quelque chose. C'est ça la bénédiction. Et ce qui est important, bien-aimé, c'est de dire que lorsque Isaac bénit Jacob, il est béni. Il ne peut plus retirer cela. Et là, il y a un dialogue, un peu un dialogue de sourds qui démarre entre Isaac et son fils Ésaü. Parce que dans le dialogue, Ésaü commence à s'exprimer et dire, mais père, pourquoi tu as fait cela? Et il dit, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction? Écoute, bien-aimé, l'héritage, ça ne se fait pas au pluriel, ça se fait au singulier. L'héritage, nous le donnons au fils, pas au fils aîné, mais au fils qui est révélé. Amen. Jacob était révélé. Il savait. Une parole du Père suffit. Et c'est comme cela que Ésaü a compris. Premièrement, il m'a volé mon droit de naissance. Deuxièmement, il me vole ma bénédiction. Bien-aimé, ce matin, ta bénédiction ne te sera pas volée. Et ce qu'il y a de remarquable, bien-aimé, Jacob prend fuite. Il part chez son oncle Laban. Et lorsqu'il revient, il revient avec Léa, Rachel et les enfants et les servantes. Et ce qu'il y a de drôle, bien-aimé, dans l'histoire, c'est que maintenant, les rapports ont changé. C'est Jacob qui appelle son grand frère mon Seigneur. Alors qu'en réalité, Ésaü était en colère. Mais cette fois-ci,
lorsque Jacob appelle son frère mon Seigneur, cela adoucit son cœur. J'aimerais te dire une chose. Dieu est capable d'adoucir le cœur de tes ennemis. Amen. Pourquoi? Parce que même tes ennemis doivent concourir à ta bénédiction. Je cours après le temps. Parce que jusqu'à présent, tu es en train de dire, mais quel est le rapport? J'y viens. Lorsqu'on parle de la croix, on parle de la réconciliation du Père et ses fils. Amen. La croix, bien-aimée, c'est le lieu par excellence où tout a été accompli. Amen. La plus grande réunion de famille qui a déterminé l'âge passé, mais aussi l'âge futur. Et dans cette réunion de famille, ce qui est important, bien-aimé, à souligner, c'est que de la même façon que Ésaü a été maudit parce qu'on lui a volé sa bénédiction, comprends que lorsque son père, Isaac, lui dit, écoute, la terre te donnera pas du fruit. Mais une chose que j'aimerais souligner, mettez-moi Genèse 27, 40, s'il vous plaît. Ce qui est important, c'est lorsque la conversation se fait entre le père et le fils, le père explique, tu n'as plus de bénédiction. D'ailleurs, tu seras maudit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout architecte qui construit une pièce mettra toujours une fenêtre dans la pièce. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours une issue de sortie. Nous tous, quand nous sommes rentrés dans ce lieu, nous sommes rentrés par la porte principale là-bas. Mais il y a aussi une porte de sortie ici, qui est une porte de secours. Même si la malédiction était sur ta vie, Dieu a déjà préparé une issue de secours. Et cette issue de secours pour toi, c'est le symbole de la croix. C'est vrai que tu étais maudit. C'est vrai que la malédiction était sur toi. Mais l'issue de secours, bien aimé, c'est la croix. Je te parle d'un Dieu qui avait déjà préparé ton issue de secours. Genèse 27, s'il vous plaît. Alors, je vais le lire dans ma Bible. Genèse 27, 40. La Bible nous dit... tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Ce texte, bien-aimé, ce verset me rappelle Éphésiens chapitre 6. La Bible nous parle des armures de l'enfant de Dieu. On nous parle du casque du... de la ceinture. Oh, frère. Viens le vendredi, on va t'enseigner encore. Les chaussures de... le bouclier de... oh là là. Le vendredi, viens, on va réviser ensemble. Hein. Mais surtout, il dit l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà l'issue de secours d'Ésaü. Ésaü était dans la malédiction. Mais son père, Isaac, lui dit, il y a une issue de secours, c'est l'épée. Amen. L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. J'aimerais te dire, même s'il y a la malédiction, comprends qu'il y a l'épée qui est la parole de Dieu. Amen. Et bien aimé, ce qui est important, lorsque Christ monte à la croix, la Bible nous explique dans Genèse 1 qu'il est l'épée, donc la parole qui s'est faite chair. Ce matin, j'aimerais souligner cet aspect. Tout montrait que Ésaü et Jacob n'allaient jamais se réconcilier. Mais comme Dieu ne fait jamais rien par hasard, il a déterminé une issue de secours pour toi. Amen. Cher bien-aimé, toi qui viens à l'église l'appel éternel ce dimanche, j'aimerais te dire, la croix est la plus grande réunion de famille. Là où le Père avec le Fils ont réglé les problèmes de l'humanité tout entière. Il y en a qui doutent de ce que je dis. Mais quand je vois l'église, je vois des Togolais, je vois des Algériens, je vois des Congolais, je vois des Béninois, je vois des Ivoiriens, je vois des Angolais. Franchement, si ce n'est pas le nom de Jésus, on va se réunir ici. Pourquoi? Dieu savait que si même deux frères étaient capables de se déchirer, quand bien même deux peuples, trois peuples, cinq peuples, notre trait d'union c'est Jésus-Christ. Amen.
et dans la réunion de famille, Dieu, dans son intelligence parfaite, a dit non. Il faut qu'il y ait un symbole qui sera un trait d'union entre toutes les générations. C'est-à-dire, lorsque tu verras la croix, tu te diras non. C'est ici que tout a été accompli. Amen. Bien-aimé, je ne veux pas trop parler. J'aimerais te dire, bienvenue dans la réunion de famille. Amen. Dans cette réunion de famille, Christ veut réconcilier tous ses enfants avec lui-même. Et bien-aimé, je terminerai par dire, dans la révélation, il faut comprendre une chose. Jésus, à chaque fois qu'il avait affaire à des démons, il les chassait, oui ou non? Mais parmi les 12, Jésus a appelé un démon. Pourquoi Jésus n'a pas chassé ce démon-là? Judas, quel démon! Je comprends. Et les démons, il faut les laisser des fois un peu là. Parce qu'ils vont servir à ton élévation. Amen. La croix était le lieu d'humiliation. Mais Christ en a fait le lieu de l'élévation d'une famille. Bien-aimé, souvent on se bat, oui, il m'a trahi, il m'a quitté, il m'a fait du mal. Bien-aimé, il faut que ça fasse mal pour que tu aies un grand prix. Amen. Comprends que bien-aimé, Jésus a souffert. Il m'a rien donné. Bam, bam, la, la, la. Moi non plus, j'ai revenu. Bam, bam, la, la, la. Les Nazariens, 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 les Nazariens. Tu n'as rien fait, il a payé pour toi. Amen. Tu n'as rien fait. Il a dit non. Qu'on m'insulte, qu'on crache sur moi. Mais pour mes enfants, je vais faire la réunion de famille. Amen. Je vais payer le prix. Oh, laissez-moi honorer mon père. Ah. Pendant qu'il était très jeune, il se disait toujours, je fais 5 km à pied pour aller à l'école. Moi, je vais souffrir. Mais mes enfants iront à l'école à côté. Amen. D'ailleurs, ils ne vont pas étudier dans ce pays. Ils étudieront en Europe. Amen. Ils vont étudier avec les plus grands. Amen. Eux aussi seront des grands parmi les grands. Bien aimé, quand le Père souffre, c'est pour que les enfants ne souffrent pas. Amen. Jésus, notre grand frère, a souffert. Et désormais, bien aimé, tu n'as plus à souffrir. Non. Mais à rappeler, c'est pas